Bonne infus à tous ceux qui boivent une infus. Bon, alors qu'allons-nous faire aujourd'hui? Mike, l'ami Mike, il a sorti un petit loop kit. C'est ma maquée préférée de toutes. Hein. En plus, elle sonne un peu mineure. Je crois que c'est du 80 BPM, la loop. On va la manipuler un peu dans tous les sens, hein, Mike, tu m'en veux pas. Je me suis noté de tester un plugin de Sugar Bytes qui s'appelle Looperator. T'as cru que j'allais avoir l'accent anglais, mais hop, il est tout de suite parti. J'ai dit Sugar Bytes et après Looperator. Un appui sur play vaut 1000 mots. Que je l'ai, je l'ai jamais montré alors que c'est une tuerie. Julien, tu sais que c'est la même chose que dans les vidéos. Hein. Moi, tout ça, je le fais pour renforcer vos PEL. C'est ça que vous comprenez pas. C'est un peu comme quand tu mâches un chewing-gum que t'as trouvé par terre pour renforcer ton système immunitaire. Bah, tu regardes mes streams et mes vidéos pour renforcer la coque de ton PEL. Là, ça commence à être cool. Bon, lui, je vais l'enlever, il est trop vénère. Tu sais quoi, je vais faire la même chose ici pour voir ce que ça donne. Ah, y a un truc qui est un peu trop forcé là sur le rhum. Ça, ce clap là. Ça va pas ou quoi de prendre autant de rhum? Alors, si vous saviez pas comment s'appelle cette manipulation, ça s'appelle de la triche. J'ai un doute sur le hat, voyez-vous? Les drums viennent de quelle expansion? Ça tue. Backyard Jams, c'est une des dernières de hip-hop, je trouve que c'est la meilleure, du coup, je la ponce vraiment très très fort. Rédompteur, salut! Première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Oh mais super toi, mais t'arrives d'aimer des trucs ou quoi? Toi dans un resto à volonté? Tu dois être infernal. Tu dois te balader de vitrine en vitrine. Non, ça, j'aime pas. Ah, ça, c'est trop piquant. Ah, ça, c'est trop doux. Ah, ça, je digère mal. Et ça, par contre, j'aime pas. Toi, c'est bœuf de Kobe ou rien. Toi, je t'ai cerné. Tu vois, j'aime bien ce genre d'atmosphère un peu pesante. Si tu tapisses ça dans le fond, c'est cool, tu vois. Oh là là, celui-là, il est fameux. Oh, c'est si doux. Wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais qu'est-ce qu'il veut, ce truc-là? Mais qu'est-ce que je suis con! Réussi à me faire aimer, bravo, peu de gens y ont réussi dans leur vie. Les gars, je sais pas si t'es un troll ou si t'es sérieux, mais en vrai, je t'aime bien. Je vais vite aller sur le Discord avec l'autre ordi et balancer un petit everyone, on est en stream. Tu vois, t'as vu? C'est quoi ton Discord? Regarde, tu vas sur sifacile.com. En passant, pour te racheter, tu achètes 2-3 expansions sur mes liens affiliés. Et tout en bas, t'as mon Discord. Ouais, c'est ça que je veux. Je crois que j'ai trouvé ce que je veux. On va mettre comme c'était avant. Ouais, peut-être je suis seul à trouver que c'est mieux.
mais j'aime beaucoup comme ça. Et du coup, il me vient une autre idée. Une idée en appelle une autre, finalement. Oh là, je vais le tenter, mais à mon avis, c'est de l'iced tea maintenant. C'est pas dégueu, hein. Comme quoi, tu vois, quand tu mets assez de miel dans quelque chose, bah même froid, ça passe. Faire un truc comme ça. On va même pas se prendre la tête en vrai. On va tester un peu ce petit synthé Makebe là. Juno, c'est la vie. Ben voilà. En plus, ouais, ce preset Funny Cat, là, il est fou. Du coup, automation sur réplica, zébardé. L'idée, c'est que quand ça commence à prendre confiance ici, on baisse. Il y en a 2-3 qui m'ont tapé dans l'œil tout à l'heure. Ok, c'est un autre qui m'avait plu tout à l'heure. Voilà. Bouncing Bowl. Il m'avait plu, mais il était compliqué à utiliser. Mais là, vu que c'est plus vide... On va le maquer filtré. Franchement, on se croirait un peu sur une île déserte dans l'espace, sous l'eau. J'ai pas raison. Ces deux, ils sont mari et femme. Je les aime trop. Ils s'entendent de bien. Les gars, vous voulez me faire couper le stream, là, à balancer tous vos plats, alors que moi, j'ai pas encore mangé. Bon app, hein, pour ceux qui mangent en même temps. Je sais pas comment il s'appelle, ce syndrome, là, mais parfois, quand il y a des trucs qui sonnent bien, t'as peur du rajout. Vous l'avez, cette peur du rajout? Moi, j'ai la peur du rajout, là. Vous savez que je l'aime d'amour, celui-là. Que je le prends à chaque fois. J'aime bien ça. Du coup, on va bien le baisser. Et quand tu dis solo, c'est vraiment solo. C'est-à-dire, ma Civic, c'est Glaze, mari et femme, 3 enfants, je les enlève. Ah, tu m'as fait peur, j'allais sauter. Hein. J'allais sauter. Je te le dis. Mais ouais, tu veux dire juste rajouter une basse ici, quoi. Yes, j'ai mis 45 minutes à comprendre ce que tu me disais, mais yes, je suis désolé, hein, gars. 20h24, j'ai pas mangé, les neurones, ils sont en train de... Tu sais, comme si tu mettais les poissons, là, tu sais, les combattants,
que t'en mettais 10 dans le même aquarium. Ben voilà, c'est, tu vois, il se passe ça là dans ma tête. On va tester ça. Ça se bouffe des compotes. Écoute, je sais pas. Me paner, ça doit être délicieux. Si tu pannes des combattants, ça fait cher le croustibat. Hein. Et alors attends, tout à l'heure, on m'a dit une petite nappe... une nappe panée aussi. Tout se rejoint. C'est fou, ça. Ça peut pas être un hasard, c'est pas possible. Qu'il est beau, celui-là, de pad. Oh, mais merci, mille fois. C'est trop bien, ce truc. J'avoue, ça tue. Mais oui, l'appel de la bouffe est très fort. Là, crois-moi, je fais preuve d'une force indescriptible. Tu ne veux pas rajouter une voix, par exemple. Mais si. Tout à fait. Alors attends, du coup, je vais tester déjà sur Splice, s'il n'y a pas un petit truc. Je télécharge. J'ai 2000 crédits de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, le premier était chaud. Moi, je l'aime. C'est lourd de ouf! Un collier de perles Makebela en fond. Ah! Collier de perles, c'est bon, je l'ai. Ah bah oui! On va utiliser Make Fiesta un peu. Je suis con ou quoi, moi? Je fais de la pub sur ça, sur Insta, toutes les deux minutes, et là j'en fais pas. On va utiliser mon instrument. Oh, qu'il est laid, lui. Celui-là, il est fou. Grave. C'est vrai qu'on dirait un peu un alien qui gerbe. Oh, en vrai, elle... En vrai, elle est très bien. Mais j'ai envie de la modifier un peu, tu vois. Sinon, si je la modifie pas du tout dans ma tête, elle mérite pas d'être là, tu vois. Calme-toi enfin. C'est louche, mais j'aime bien, en vrai. C'est cool parce que les filtres, ils te mettent les voyelles que ça fait. Terrible, j'adore. Là, je veux du wa. Wa, 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 wa. Franchement, il est pas fou, ce plugin. Dinguissime, ce truc, je le kiffe. Ça faisait longtemps que j'étais pas un peu content d'une prod en live. Como está, hombre? J'ai fait espagnol LV2, ok? Ah, et j'ai regardé Narcos en VO. Ça m'a beaucoup aidé. Presidente de la República de Colombia. Rompe, comment tu vas, l'ami? Ça fait plaisir de te voir. Ouh, non, là j'ai forcé à fond. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose là pour ma santé mentale. Il me manque ma Civix. Alors, ah, c'est fou. Ce synthé là, écoute, on le mute, écoute comme ça perd du charme. Sympa, hop, on met ma Civix.
ça me donne des frissons aux yeux. Là, on commence à avoir un délire en termes de couleurs. Moi, j'aime bien. Donc, Maque Fiesta, est-ce qu'on peut rajouter le coupé? On va faire un petit départ de basse en même temps que le son, là. On va faire ça. Rien n'est définitif, hein. Tu sais, un PEL, ça grossit, ça mincit, ça fait des body shapes l'été, non, des shapes summer body, je sais pas. Pourquoi je me mets à parler anglais déjà? Ah, ce serait chaud si j'utilise le bruit du pistolet. Mais est-ce que ce serait pas trop insolent? Je me le demande. Le volume, il est là, par là à peu près. Ok, je préfère plus mieux. Ah, un filtre qui s'enlève, tu veux dire, ouais, le bounce ici, le mettre dès le début? Avec un petit filtre. Tiens, tu sais quoi, on va mettre le one knob, puisque je n'utilise que ça, tellement il est simple et suave. Ça a l'air sexy. Ah, tu sais quoi, même toute la première mesure, on va la laisser à 3-2. Ouais, je valide ça et du coup, il me vient une autre idée. Ça là, on va la muter pour l'instant. On va pas mettre de one knob, mais on va mettre l'opérator. Ça, c'est le plugin de cette prod. Hein. Seigneur! Et à la fin, on va lui faire dire « Oh yeah !» Voir ce que ça donne. Oh, j'adore! Ouh là là! Ah, des frissons aux yeux, là, encore. L'opérateur connaît pas, c'est quoi? C'est ceci. En fait, ça découpe en 16 ton sample. Et par step, tu peux ajouter l'effet que tu veux. Tu vas tout de suite comprendre de quoi il retourne. Là, je mets 6 et là, je mets 8. Est-ce que c'est pas l'outil parfait pour tout ce qui est loop et loop? En fait, c'est que pour les loops, mais c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que j'aime la fin, là! Le « oh yeah » que ça fait, là! Oh là là, dis donc! Voyons si j'enlève la basse là. Ouais, c'est lourd. Ça, du coup, on le met ici. Et là, on balance le refrain. Est-ce que ça fait sens ou pas? On va voir. Bah oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on peut faire intervenir ici? La dernière fois qu'on m'a conseillé de mettre un sax dans un stream, ça s'est très bien passé. J'ai peur qu'on s'éloigne du délire, mais on va tester. Bon, on passe clairement à un Peggy 18, mais ça me plaît. Moi, je voudrais que ça fasse ça.
Wow, la casquette, elle est tombée du bras magique. Je pense qu'elle était en train de se mousser sur le bras magique, elle est tombée. Bon les gars, c'est pas tout ça, mais le repas du midi m'attend, puisqu'il est 14h20. Donc on se remet une dernière fois la prod, et puis après, je vais aller bouffer et regarder des tutos Twitch. Ça va être le programme de l'après-midi. Thank you.